J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits solaires pour l'été 2019. Vous verrez qu'il y en a pas mal parce que j'adore ça, ma passion, c'est les solaires dès qu'arrive l'été. Les teintés, les pas teintés, pour le visage, pour le corps. Voilà, j'aime beaucoup tester les produits solaires, voir leur efficacité, etc. Donc, je vais vous décomposer ça par catégorie. Il y aura donc des produits pour le visage, pour le corps, des produits retouches en journée, les solaires donc ville et les solaires plage, et on finira par mes auto-bronzants. Voilà, et j'inclurai également dans cette vidéo des CC crèmes avec des produits chimiques. Voilà, avec filtre chimique donc, parce que je voulais également vous les présenter. C'est des produits que moi j'ai utilisés pendant très longtemps. Je ne les utilise plus depuis avril et après le tournage de cette vidéo, je vais m'en débarrasser. Mais peut-être que vous utilisez encore des produits à filtre chimique et ces produits-ci, ils sont très bien. Moi, j'aimais beaucoup les utiliser. Donc voilà, bon écoutez, c'est parti. Je vais pas trop parler, on va commencer parce que sinon je pense que ça va être un petit peu long. Alors on commence avec la catégorie visage. Donc là elle va être composée en deux, les solaires ville et les solaires plage. Je ne mets pas les mêmes protections quand c'est pour tous les jours me promener ou quand je vais à la plage. Donc pour tous les jours, moi j'aime beaucoup avoir un teint un petit peu hâlé, enfin voilà, j'aime que ça unifie mon teint, donc je favorise les crèmes teintées. Ça c'est moi. Pour l'été, l'hiver, j'utilise toujours des crèmes, ça c'est... Enfin, moi, j'utilise des protections solaires toute l'année. L'hiver, j'utilise des crèmes blanches, voilà, transparentes. Ça me va très bien. Donc, oula, je sens que cette vidéo va être un petit peu brouillon. On va commencer avec les produits solaires que j'utilise donc en ce moment. Donc, type ville. J'utilise de chez Madara la crème solaire anti-âge SPF 30, qui est donc UVA, UVB et qui est teintée. J'adore cette crème, donc là j'avais eu un petit format, mais je vais me la reprendre en groupe quand elle sera finie, donc pas très longtemps, hein. Parce que franchement je l'adore, du coup en ce moment je ne mets pas du tout de fond de teint ou de bébé crème, je mets uniquement ma crème Madara, mon petit blush, mon enlumineur, un petit peu de mascara et c'est tout, je pars travailler comme ça, et ça me va bien, ça charge pas mon visage et en même temps ça protège bien, donc là je suis vraiment très contente de cette petite crème-ci. Également, j'aime beaucoup celle de ces Michel, donc Michel Dermaceuticals, pardon. C'est la Sun Protection SPF 30 et donc elle est en teinte nude, qui est la teinte light medium. J'aime beaucoup cette crème. Alors, elle est très fluide, c'est en format pipette. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge, donc ça va s'entendre un petit peu. Et voilà, donc UVA, UVB toujours. Vraiment très très fluide. J'aime beaucoup. Donc j'alterne entre celle-ci et la Madara. Voilà, ça dépend en fait... pardon, en plus je vous ai dit une bêtise, c'est pas du tout SPF 30, c'est une SPF 50. Elle protège du tonnerre, voilà. Par exemple, hier j'ai fait une grosse journée Walibi avec mes enfants. Je m'étais mis cette crème sur le visage, je l'avais mis deux couches, voilà. Honnêtement, j'ai eu aucun problème, aucun rougeur sur le visage. Par contre, je n'ai pas du tout pensé à me protéger le corps dans le feu de l'action. J'avais pris la crème, j'ai badigeonné mes enfants et pas moi. Et comme vous le verrez, j'ai sacrément mangé sur le cou, le dos, les épaules, voilà. Mais le visage, je n'ai absolument rien pris, donc je suis ravie. Elle marche vraiment bien. Et donc je vous disais, voilà, ça dépend un petit peu des jours. Si c'est un petit temps léger où il fait, voilà, je sais pas, 25 degrés, je sais que je fais beaucoup de bureaux ou quoi, je vais mettre la SPF 30. Par contre, quand je sais que ça va être une grosse journée soleil et où je vais beaucoup être dehors ou quoi, j'aime beaucoup mettre la 50. Elle marche vraiment bien. Alors, initialement, c'était un format pompe. C'était une bouteille en plastique, un format pompe. Et je la trouvais un petit peu plus onctueuse. Et là, quand j'ai recommandé, donc j'ai reçu celle-ci, et c'est exactement les mêmes caractéristiques et tout, donc je pense qu'ils ont tout simplement changé le format et que maintenant ça se présente sous format liquide comme ça. C'est un peu moins pratique parce que du coup, voilà, c'est un peu plus fluide, mais franchement, voilà, je l'aime beaucoup, et puis elle est légèrement teintée, donc voilà, j'en suis ravie.
Moi, celle-ci, je crois qu'elle est disponible sur iHerb, mais moi, je la prends sur Amazon.com. Et en termes de prix, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça doit être 16 dollars ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute manière, mais franchement, ça vaut le coup parce qu'il en faut très peu et qu'elle marche très bien. Alors, en baume non teinté, mais que j'aime beaucoup aussi pour le quotidien, voilà, quand soit parce que je mets un fond de teint par-dessus, soit parce que tout simplement, j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose de teinté, voilà, c'est le baume de chez Aquarelle en SPF 30. Et alors déjà, il sent très très bon. Les produits Aquarelle sont de très bons produits fabriqués en France et voilà, et qui protègent bien. Et sa texture est assez particulière. Donc il est très jaune. Je vais vous montrer sa texture, c'est particulier. Parce que c'est un baume crémeux, vraiment très crémeux, très jaune. Mais alors ça peut laisser un petit fini un petit peu brillant sur la peau, voilà, on va pas se le cacher, tout comme la Madara d'ailleurs, mais il protège hyper bien et c'est agréable cette petite sensation de baume, j'aime beaucoup. Ils font aussi des huiles, ils font des crèmes, vraiment ils font vraiment une grande palette de textures, donc si les baumes ne vous conviennent pas, franchement allez voir sur Aquarelle, moi je le trouve dans ma Biocop. Alors ensuite, pour le corps au quotidien, voilà, pour tous les jours, c'est une crème qui est pour le corps et pour les mains. Je l'aime beaucoup, c'est de chez Madara. De toute manière, il y a beaucoup de produits Madara à côté de moi parce que j'aime bien. Bon alors, excusez-moi, elle a mangé, hein, elle est plus toute jolie, mais c'est pas grave. Donc UVA, UVB, c'est un SPF 15. Hop, c'est la Beach Bébé. Et elle est géniale, elle est légèrement irisée, teintée irisée, donc ça, d'ailleurs je l'ai sur mes jambes, voilà, je l'applique au quotidien. Donc voilà, je l'applique pas plus que ça sur mes mains, mais en tout cas sur les jambes tous les jours, j'adore l'effet satiné que ça fait. Alors ça reste un peu sur les jambes, mais ça fait assez soyeux, j'aime beaucoup. Et voilà, puis ça protège mes jambes, donc on va pas s'en priver. D'ailleurs, hier c'est celle que je portais, vous voyez sur les jambes, j'ai absolument rien chopé. À la catégorie donc crème pour le corps, donc cette fois-ci crème plage, j'ai celle de chez Madara, la Sun 30. Alors pour le corps, j'avoue que moi je mets pas de 50 parce qu'il n'y a pas de grande différence entre les filtres 30 à 50. Je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 3%. Enfin, c'est vraiment infime, il ne faut pas se baser à 30 et 50. Voilà, c'est vraiment infime le pourcentage d'indice entre les deux. Donc moi j'utilise toujours de la 30, voilà, généralement. Donc celle-ci, elle est bien parce qu'elle fait corps, visage et main. Donc c'est la Plant Steam Seal antioxydante. Elle est blanche, elle pénètre assez bien, ça ne laisse pas de fini, j'aime beaucoup. J'aime l'odeur des produits Madara, voilà, ils ont tous la même odeur de toute manière, donc là, on n'est pas embêté. Et voilà, ça fait 100 ml. Celle-ci, ils nous disent de la renouveler, je sais plus où je l'ai vue, je sais plus si c'est 40. Ah mince, ben j'ai pas gardé la boîte de celle-ci. Je crois que c'est toutes les 40 minutes ou 80 minutes, j'ai un doute. Parce que vous savez, votre crème, vous devez la renouveler. C'est pas je la mets une fois, je me barre à la plage. Ben non, parce que déjà après l'eau, ça en enlève un peu. Même si c'est résistant à l'eau, ça enlève toujours un peu. Et puis même lors de l'exposition, ça fond, vous bougez la serviette et tout. Donc il est conseillé. Alors toutes les 40 minutes, je ne le fais pas. Par contre, moi, toutes les 2 heures, je réapplique. Et si je suis dehors, enfin, sur le corps, sur le visage, je vais vous montrer après, je suis constamment en train de réappliquer à peu près toutes les heures. Et s'il fait très chaud, même des fois toutes les demi-heures, parce que d'une ça me rafraîchit. Mais on en revient après. Donc voilà, celle-ci c'est une multi-usage, hein, corps, visage, main, et elle est hyper bien. Vous verrez que bah, celle-ci je l'ai moins utilisée, je l'ai utilisée qu'une fois. Mais voilà, parce que j'ai pas encore été à la plage, donc voilà, j'ai été une fois, je l'ai utilisée une fois. Mais celle-ci elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai celle de chez Sunstribe, la Mineral Sunscreen SPF 30. Elle est résistante 40 minutes. Le packaging est trop mignon. C'est un petit flacon pompe et je ne l'ai pas encore testé.
Donc, je ne peux pas vous dire si elle est bien, pas bien. Mais en tout cas, j'ai vu sur YouTube plein de vidéos où qui disaient qu'elle était très, très bien. Donc, je leur fais confiance sur ça. Et puis, ben, moi, je vais la tester cet été puisque je suis en vacances pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, j'ai 15 jours à la plage. Donc, du coup, ça, je vais pouvoir tester, bien la tester. Et je vous en ferai un petit retour dans les favoris d'août, je pense. Mais je pense que voilà, elle est très, très prometteuse, cette petite crème. Et voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette crème-ci, mais en tout cas, je l'ai dans mon lot de crème. Alors du coup, pour le corps aussi, en protection, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'huile de coco. Eh oui, corps, cheveux, elle est vraiment multi-usage. Moi, je m'en sers pour tout, partout, tout le temps. Donc là, j'ai deux versions. J'ai la version classique de l'huile vierge bio de chez Santifolia. Voilà, donc, alors celle-ci, elle s'est un peu durcie par rapport à l'autre, mais voilà, on va la secouer un peu. Je suis désolée, mais je suis squattée par les mouches, j'ai ouvert de partout parce qu'il fait chaud. Oh là là, j'adore l'odeur. Donc voilà, elle est liquide, elle se présente dans un petit flacon comme ça, en 100 ml. Donc c'est bien, c'est Made in France, hein, Santifolia. Ben voilà, donc vous pouvez vous appliquer ça. Alors pardon, je ne sais pas où on en était, ma caméra a coupé. Je vous disais que vous pouvez appliquer de l'huile de coco sur vos cheveux, sur votre corps, c'est un filtre naturel, voilà, ça aide. Et vous pouvez aussi vous en appliquer après le soleil. Ah, ça me fait penser qu'il me manque deux produits qu'il faut que j'attrape après. Donc voilà, donc l'huile de coco de chez Santifolia. Et alors ma préférée, c'est le Mahana de chez Léa Lani, donc la coco infusion qui est pour les cheveux, le corps et le soleil. Moi ça je l'applique essentiellement sur les jambes, déjà parce que j'aime son odeur, j'aime son effet satiné et ça marche, ça protège hyper bien. C'était juste pour le plaisir que je me prends un petit shoot d'odeur. Ça marche hyper bien, j'adore ce produit. Il faut faire attention parce qu'il en faut peu, mais moi qui adore ça, j'ai tendance à en mettre beaucoup trop. Ça fait 118 ml et pour les cheveux, à peine dans les mains, on frotte, on passe ça sur ses cheveux, on se fait une petite tresse ou quoi, on va faire sa journée à la plage et ça protège les cheveux. Moi, j'ai les cheveux décolorés, hyper sensibilisés. Si je fais pas ça, mes cheveux, à la fin, c'est de la paillasse, ils sont cassants, enfin bref. Du coup, on va passer maintenant à la catégorie des solaires d'appoint. Alors, ce que j'appelle d'appoint, c'est les solaires retouches. C'est quelque chose qu'on peut s'appliquer dans la journée pour retoucher un petit peu son solaire et rapporter une petite protection en plus. Mais bien évidemment, pas à la plage. Ces produits-là, moi, je ne les applique pas à la plage. Ce sont des produits type ville, donc dans mon quotidien. Donc, mon préféré que j'ai utilisé hier toute la journée sans compter, qui sent divinement bon et qui marche bien, c'est le Soleil Toujours SPF 30. Donc c'est une brume, ça résiste à l'eau 80 minutes, c'est un truc de dingue. C'est une petite brume visage. Hop. Oh mon dieu, j'adore son odeur. Le packaging est trop mignon, ça fait 59 ml. Je me la suis prise. Mince. J'ai un doute. Je ne sais plus si c'est chez Eminescence ou si c'est The Green Jungle Beauty Shop. J'ai un doute. Bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais j'adore cette brume. Ça marche hyper bien. Je vous dis, hier, j'ai pas arrêté. Je me pitais toute la journée et résultat des courses, mon visage n'a pas mangé. Bon, là où j'ai rien fait, forcément, c'est de ma faute. Donc, je vous la recommande vraiment. Alors, certes, elle est un petit peu chère, vous me direz. C'est vrai que c'était pas donné, mais ben, ça marche bien et ça dure assez longtemps du coup. Parce que même si on pchit, ça s'évapore pas comme ça. Donc, moi en tout cas, j'adore et il est certain que je me la reprendrai, ça c'est clair. Deuxième produit retouche que j'aime beaucoup, c'est de chez Dermae Essential, c'est le Sun Protection Minéral. C'est une poudre SPF 30. Donc ça c'est pareil, c'est dispo sur iHerb ou sur Amazon.com. Je me souviens plus non plus du prix, je sais pas si c'était pas 22 $.
Donc on a un petit pinceau rétractable pour pouvoir le ranger. La poudre sort au milieu et vous allez tout simplement voilà, venir vous la passer sur le visage. Déjà ça va matifier parce que bah, quand on transpire ou quoi, on a tendance à briller un peu. Donc ça va matifier et apporter une légère protection, mais en poudre cette fois-ci. Elle est très claire, hein, c'est la nude, mais c'est vraiment léger, c'est pas un truc où ça va se voir que t'as mis de la poudre ou quoi. Pas du tout, c'est imperceptible et ça marche hyper bien. Donc moi j'ai combiné les deux hier à mon... À ma sortie, voilà, on va passer à autre chose, mais j'ai combiné les deux hier et franchement c'était nickel. Donc je vous le recommande vraiment, j'ai adoré m'en servir. Petite protection dont on ne parle pas assez, c'est la protection solaire pour les lèvres. Il existe pas mal de baumes s'ils sont sortis ces derniers temps pour les lèvres. Je vous linkerai les liens en barre d'infos parce que je les ai pas tous, je voyais pas l'intérêt. Moi j'ai celui de chez Uro, donc le baume à lèvres soleil SPF 15 mandarine camomille. Et voilà, hop, bon excusez sa petite tête. J'adore l'odeur des baumes solaires de chez Uro. Et voilà, et donc moi quand je fais une sortie dehors où je sais que je vais être beaucoup en extérieur, je l'emmène avec moi et j'arrête pas de me badigeonner. Et franchement c'est hyper bien, ça évite d'avoir les lèvres sèches parce que le soleil les assèche, les crevasses, etc. Avec ce baume là on n'a pas de soucis. Je sais plus, je crois que ça vaut 4 euros, même pas. Et voilà, moi je les prends sur le site de Casidomi. Ils ont vraiment toute la palette et d'ailleurs je commence à avoir une sacrée collection des baumes Uro. Là dernièrement je me suis rentrée celui pour la nuit, petite pépite aussi. Donc voilà, donc petit baume solaire SPF 15 et je sais qu'il en existe un SPF 30 de chez, je crois que c'est de chez Sunstripe aussi. Il me semble que c'est ça, mais voilà, vu que j'avais celui-ci, je voulais d'abord terminer celui-ci avant d'en racheter un autre. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir deux baumes solaires à SPF pour les lèvres, quoi. Je vois pas le truc. Dans la catégorie après solaire, parce que c'est hyper important et qu'on n'en parle pas assez je trouve, je vous propose deux produits, c'est tout simplement de l'aloe vera, mais ce sont deux aloés différentes, enfin les produits qui sont dedans sont différents, donc et puis ce sont pas du tout les mêmes flaconnages. Celui-ci c'est une aloe vera 100% donc de chez Mademoiselle Bio, donc il n'y a que de l'aloe vera dedans. Voilà, ça fait 250 ml et elle est très bien, voilà. Donc vous avez pris un coup de soleil ou voilà, vous vous appliquez. C'est mon chien qui monte les escaliers. Vous vous appliquez votre aloe vera dessus. Déjà ça va vous rafraîchir, moi je la garde au frais. Ça va bien vous rafraîchir et ensuite ça va éviter les crevasses. Vous savez, des fois les coups de soleil ça peut cloquer et tout. Là ça va instantanément vous soulager. Et donc soit la version classique, et moi ma préférée, je m'en sers pour le visage et surtout pour l'été, c'est celle de chez EVA, je pense que ça s'appelle comme ça, c'est l'infini végétal, donc c'est jus frais d'aloe vera et vétiver. Donc ça honnêtement, hier soir quand je suis rentrée, mon mari m'en a appliqué dans le dos sur mes coups de soleil, ça m'a fait un bien fou. Et ce matin, c'était terminé, ça ne me grattait plus, ça ne me tiraillait plus. Donc ça voilà, franchement, j'aime beaucoup ce produit. Il est en 200 ml. C'est un flacon vert, donc il est ambré. Et voilà. Et donc j'adore l'odeur, voilà, il marche hyper bien sur les coups de soleil et sur les coups de soleil. Et moi je l'utilise aussi dans ma routine, je l'utilise aussi dans ma routine quotidienne, voilà, pour le visage. Et ça marche hyper bien, c'est un très bon hydratant, enfin ça retient très bien l'hydratation. Et donc voilà, donc aloe vera contre les coups de soleil, inutile d'acheter des trucs anti-solaire hyper chers, de l'aloe vera, et ça fait très bien le job. On va passer à la petite catégorie des filtres chimiques, voilà, des quelques produits que j'adorais utiliser avant et qui sont sympas. Et donc si vous utilisez des filtres chimiques, désolé j'arrive plus à parler, bah écoutez, je vous les recommande. Donc de chez Nars, nous avons le soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30, je vous en ai déjà parlé, hein, je l'utilise depuis de nombreuses années, il est en 50 ml. Voilà, il est teinté, moi j'ai la teinte Light 2 Alaska. Et j'aimais beaucoup utiliser ce produit, mais voilà, celui-là je ne l'ai pas utilisé depuis l'été dernier, il était traîné dans mes tiroirs et je me suis dit que j'allais vous le présenter et puis je vais surtout le virer.
en CC crème. Donc il y a la CC crème de chez It Cosmetics. Donc c'est une SPF 40 UVA, UVB, c'est la mate. Donc sans huile, voilà. J'ai adoré les utiliser. Moi j'ai la teinte light medium. Franchement, j'aime beaucoup les produits It Cosmetics. Ce qui me fait chier par contre, c'est la composition et c'est pourquoi je ne les utilise plus. Mais je suis tellement dégoûtée parce que j'adorais ces produits. Sauf que ma raison fait que je n'arrive plus du tout à les utiliser. Je m'étais dit que j'allais les terminer et je n'y arrive pas. Donc je ne vais pas me forcer, c'est que mieux. Et je vais les donner à ma petite sœur qui sera ravie de pouvoir les utiliser. Et on a également donc la full coverage, donc la version classique en SPF 50. Ça c'est hyper bien, une CC crème en SPF 50, c'est le top. Toujours en light medium et ça fait 32 ml, voilà. Et un petit peu mieux en compo, mais pas non plus top, parce qu'il y a du phénoxyéthanol et je sais plus trop quoi. C'est celle de chez Vino Perfect, de chez Caudalie, donc le fluide teinté peau parfaite SPF 20. Je l'ai remis dans sa boîte parce que j'avais la boîte. Il s'avère que je l'ai utilisé qu'une fois ce produit puisque je me suis fait avoir. Je n'avais pas mon application Yuka avec moi. J'étais à la pharmacie, je cherchais une crème teintée naturelle. Donc c'était il y a 2 mois maintenant. Et en fait, donc j'ai pris la teinte light et je suis rentrée chez moi. Je l'ai utilisée le jour J, j'étais hyper contente. Et le lendemain seulement, j'ai pensé à scanner. Et quand j'ai scanné, j'ai vu toutes les cochonneries qu'il y avait dedans. Je me suis dit, ben, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, voilà. Et donc, ben, c'est comme ça. Je ne peux plus m'en servir. Je l'ai remis dans la boîte en me disant que j'allais en faire cadeau. Et puis, j'ai complètement zappé. Donc, il faut que je la donne. Donc, voilà. Donc, c'est la teinte light. Alors, elle est hyper bien. Le rendu sur la peau, c'est nickel. Ça fait un léger effet teinté. Ça ne camouflera pas vos imperfections. Mais franchement, ça fait hyper joli. J'avais adoré l'utiliser. Hein. C'est pour ça que je suis franchement dégoûtée. Mais tant pis pour moi, j'avais qu'à mieux lire la compo avant. Donc voilà, bien dégoûtée. Mais écoutez, c'est comme ça. Bon, on en arrive à ma catégorie auto-bronzant. Je suis très très blanche, donc dès qu'arrive la période d'avril, je commence à m'auto-bronzer, sinon je ressemble à un cachet d'aspirine et c'est franchement moche en jupe. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'es blanche? Donc voilà, donc ce que je fais pour le visage, j'ai 2 produits. Donc soit de chez Pulpe de Vie, le Comme à la plage, donc c'est un hydratant au hâle progressif. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté. Il est un petit peu jaune comme ça à l'utilisation. Je le mets le soir, je le fais bien pénétrer pour éviter qu'il y ait des traces. Et effectivement, le lendemain matin, j'ai une teinte un peu allée, j'en remets et en 2 jours, j'ai une jolie teinte voilà, allée qui me donne un petit peu de couleur. J'aime beaucoup. Je vous montre la boîte, donc c'est à base de carottes puisque le bêta-carotène se trouve dans les carottes. Voilà. Et bon, j'ai mon stock là, j'ai 2 boîtes donc j'ai de quoi faire. En ce moment je m'en sers pas trop parce que je transpire tellement la nuit qu'en fait je n'apprécie pas me mettre quelque chose comme ça. Ce produit là en tout cas je n'apprécie pas de me le mettre parce que j'ai l'impression que ça coule et j'ai tellement peur que ça fasse des traces qu'en ce moment je ne l'utilise pas. En revanche, celui que j'aime bien utiliser en ce moment parce qu'il a une texture un petit peu plus épaisse, c'est celui de chez Apicia, le soin ensoleillant progressif au miel. Je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est une crème totalement blanche. Je l'applique et le lendemain matin, effectivement, j'ai attrapé une teinte. Et en 2 jours, j'ai pareil, la teinte qui me convient. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Et voilà. Donc ça, c'était pour mes petits auto-bronzants. Pour le visage, ça, c'est en format 50 ml. Pour le corps, j'ai 2 produits, le lait fondant auto-bronzant visage et corps, donc de chez Bioregina, je vous en ai déjà parlé. Il est blanc, légèrement jaune mais très léger, je l'applique et pareil, je l'applique sur l'intégralité de mon corps. Et par contre, il met 8 heures à bronzer, donc vous le mettez le matin, vous êtes bronzé que le soir. Vous le mettez le soir, vous laissez bien sécher, vous allez vous coucher et le lendemain matin, c'est un effet halé très joli. Mais je trouve que c'est léger et c'est pas assez rapide pour moi. Donc j'ai investi dans le cacao tinting mousse de chez Eco by Sonia, qui est une mousse auto-bronzante. Donc c'est la dark.
Ça ressemble très fort très à la mousse autobronzante Saint-Tropez avec une jolie composition. Et en une heure, ça suffit. Donc ça, concrètement, je me l'applique le soir. Donc je fais un gommage la veille. Je me l'applique le soir, je fais ma vie, etc. Une heure après, voire une heure et demie si j'ai un peu de temps, je vais me doucher, je retire tout. Et franchement, c'est magique, ça marche bien. Et si vous avez plus de temps, vous vous l'appliquez complètement, vous laissez sécher, vous vous couchez et vous vous rincez le lendemain matin. Et donc au bout de 8 heures, c'est vraiment dark. Mais c'est trop dark pour moi, c'est pas naturel, puisque je suis très blanche. Donc il faut, pour moi, une heure et demie, c'est, franchement c'est cool. Je suis très contente. C'est en 125 ml. Et c'est à base de café, c'est à base de café, de gingembre et d'orange. Je vérifie si j'ai fait le tour. Oui, ça y est, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que je vous ai peut-être fait découvrir des pépites. Donc si c'est le cas, bah, tant mieux, je suis ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao.